Excellent. Bien, merci tout le monde pour nous joindre aujourd'hui. Alors, nous sommes à la Nation Unie et nous allons offrir des commentaires en commençant par le ministre, en suivant par notre ambassadeur du changement climatique, Catherine Stewart. Alors, hello everybody. Welcome to our media scrum today on the second day of UNGA at United Nations. And today we'll have remarks offered by Minister of Climate Change and Environment and Climate Change Canada, Stephen Guilbeault, followed by our ambassador for climate change, Catherine Stewart. So please, Mr. Guilbeault. Bonjour, est-ce que je dois prendre le micro? Bonjour, très, très heureux d'être ici à New York, au siège social des Nations Unies pour cette importante rencontre, ce sommet sur l'ambition climatique. Très honoré que le Canada fasse partie des quelques 30 pays qui ont été invités à prendre la parole. Le premier ministre a parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Je pense que cette invitation-là du secrétaire général des Nations Unies montre à quel point les choses ont changé au Canada. Je pense que si poser la question, c'est répondre. Est-ce que le Canada aurait été invité à participer à ce genre de sommet-là il y a 10 ans? La réponse est non. Est-ce que le Canada serait invité à participer à ce genre de sommet-là si Pierre Poilievre devient un jour premier ministre du Canada? La réponse est également non. Nous sommes invités, nous avons été invités à parler ici, à prendre la parole, à cause de tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons, que ce soit la tarification carbone, que ce soit la lutte aux émissions de méthane, qui est un gaz à effet de serre très puissant. Et si collectivement on s'attaque au méthane, nous pouvons réduire la température globale de presque 1 degré Celsius. C'est majeur, c'est d'ailleurs pourquoi le premier ministre a annoncé ce matin que nous aurons un nouveau cadre réglementaire pour réduire les émissions de méthane de plus de 75 % d'ici 2030, ce qui en fait l'un des objectifs les plus ambitieux sur la Terre. On pourrait parler du fait que nous sommes le seul pays du G20 qui avons éliminé les subventions aux combustibles fossiles. Aucun autre pays du G20 ne l'a fait. Et nous avons également pris l'engagement d'éliminer les subventions publiques, le financement public aux combustibles fossiles, ce qu'aucun autre pays du G20 a fait également. Alors, je pense que l'ensemble de ces éléments-là démontre à quel point ce que fait le Canada est maintenant reconnu sur la scène internationale. Je vais passer la parole à notre ambassadrice sur les changements climatiques, Mme Catherine Stewart, et je vais faire le bout en anglais par la suite. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je suis très ravie d'être ici parmi vous. Le Canada est vraiment un leader au niveau international et je suis très fière de représenter le Canada au niveau international, d'engager mes collègues internationaux parce que nous faisons beaucoup au niveau de l'atténuation, de l'adaptation et nous donnons aussi beaucoup de support pour les pays en voie de développement avec nos financements climatiques. Donc, merci beaucoup pour être ici. Thank you, Catherine. So, very happy to be here at the UN headquarters in New York for the Secretary General's Climate Action Summit. Canada, it's an honor to have been invited to be part of the 30-some countries that can speak at the summit. The Prime Minister spoke a little bit earlier this morning. And I think that the reasons why Canada have been invited are numerous. We're the only G20 country that has made good on the commitment to phase out fossil fuel subsidies. No other G20 country has done that. We're the only G20 country that has announced that we would go even beyond the G20 commitment for phasing out fossil fuel subsidies by phasing out public financing of fossil fuel, which we said we would put in place in 2024. We have a very ambitious agenda in Canada in terms of fighting climate change, obviously carbon pricing, zero emission vehicle. We will enable the regulations for that by COP28, but also what we're doing on methane. This morning the Prime Minister announced that we will be presenting soon the framework so that Canada can achieve or even surpass our goal of reducing methane emission by at least 75% by 2030. It's one of the most ambitious goals in the planet. And why is methane so important? It's a very powerful greenhouse gas, but if collectively we can work to reduce methane emission, we can shave off almost 1 degree Celsius of temperature increase in the coming decades. This is massive, which is why we're doing this work alongside many of our allies, certainly California, the United States, and many others as well. I think if we were to ask the question, you know, would Canada have been invited here 10 years ago under a Stephen Harper government? The answer is obviously no. Would Canada be invited here if Pierre Poilievre ever becomes Prime Minister of Canada? The answer is also no, because
Stephen Harper didn't have any plans on climate change, and Pierre Poilievre doesn't even believe, and the Conservative Party of Canada doesn't believe that climate change is an issue that's worth paying any attention to. So we're very proud and very honored to have been invited here today, and happy to take your questions. Oh, sorry, no, I'll pass it over to Catherine Stewart, our ambassador to climate change. Thank you very much, Minister. And as Canada's ambassador for climate change, I engage regularly internationally with all colleagues from around the world. And I have to say, I'm very proud to represent Canada on the international stage because we have a very strong record on mitigation, on adaptation, and also in the support that we give to developing countries. You can stay. Okay. M. Guilbeault, qu'est-ce que vous pensez d'une initiative comme la Beyond Oil and Gas Alliance, qui est un regroupement de pays, mm-hmm. que je connais bien, d'États, ouais. en fait, ouais. qui, bon, vous connaissez un peu le... Hier, Al Gore a dit que les membres de cette association-là étaient les véritables héros des changements climatiques. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, je pense qu'on a besoin de toutes sortes d'initiatives pour lutter contre les changements climatiques. Ces initiatives, il y en a quelques-unes qui s'attaquent à la question de la production de combustibles fossiles, sont importantes, mais il faut bien comprendre qu'on peut s'engager à ne pas produire des combustibles fossiles, mais si on en consomme, si on continue d'en consommer autant qu'on en consommait avant, on déplace le problème. Si on ne réduit pas notre consommation de pétrole, ça nous avance pas en matière de lutte au changement climatique. Le Québec s'est engagé à faire partie de cette organisation-là. On continue d'importer du pétrole au Québec, 360 000 barils de pétrole par jour. Alors, on ne le produit pas, mais il y a quelqu'un d'autre qui le produit pour nous, les Québécois et les Québécoises, qui l'utilisons. Donc, on a besoin de ce genre d'initiative-là, mais il faut regarder l'ensemble de l'équation. Si on parle de production, mais il faut aussi s'attaquer à la consommation de combustibles fossiles. C'est pourquoi au Canada, on travaille sur l'électrification des transports, les transports en commun, l'électrification des procédés industriels, par exemple, pour réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. Mais en fait, le Canada est un pays producteur de pétrole. Là. Oui. Ça serait impensable de joindre une association comme celle-là, compte tenu de l'importance de l'industrie pétrolière chez nous? Bien, d'abord, vous savez comme moi que l'utilisation des ressources naturelles est de compétence provinciale au Canada. Ce n'est pas le gouvernement fédéral qui décide de l'utilisation des ressources naturelles. Et lorsqu'on regarde les scénarios, par exemple, de l'Agence internationale de l'énergie ou même du GIEC, on estime que dans un monde carboneutre en 2050, il va rester à peu près 25 millions de barils de pétrole par jour qui va être utilisé. Beaucoup moins qu'aujourd'hui, on est à un peu plus de 100 millions par jour. Donc, c'est 75 % de réduction de l'utilisation de pétrole au cours des prochaines décennies, mais il va en rester. Notre objectif, ce qu'on doit faire collectivement, c'est de nous assurer que le pétrole qui sera encore consommé en 2050 soit un pétrole à très faible émission en termes de l'extraction et que les émissions de gaz à effet de serre qui resteront devront être compensées ou séquestrées. Parlons de l'émission, justement. Vous en êtes où dans vos négociations pour l'établissement d'un système de plafonnement des émissions du secteur pétrolier? Je vous rassure, ce n'est pas une négociation. On a des discussions avec les provinces, les territoires, les entreprises concernées, les experts, les ONG, les Premières Nations, bien évidemment. Mais nous avons pris l'engagement. Le premier ministre, c'était dans la plateforme électorale de 2021. Le premier ministre l'a réitéré lors de la conférence de Glasgow en 2021 en Écosse. Et ce qu'il a annoncé ce matin, c'est que nous aurons le projet de règlement pour le plafond sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz d'ici la fin de l'année. The chair of this morning's summit, though, called Canada one of the largest expanders of fossil fuels this year. And so the Prime Minister didn't address that in his address this morning. So will your government address this? Will it address oil and gas expansion? We've been very clear on regarding the issue of oil and gas in Canada. As I told your colleague in French, the federal government has no jurisdiction over the use of natural resources. From a constitutional point of view, that's very clear. What we've said and what we are doing is tackling pollution from the oil and gas sector and from all the other economic sectors in Canada, which is why between 2019 and 2021, Canada has the best performance of all G7 countries when it comes to tackling climate change and climate emissions. So we're doing it, and our plan is starting to work. I'll be the first one to say we have to do more, which is why we're coming up with new measures. I recently introduced the clean electricity regulations to ensure that our electricity grid is carbon neutral by 2035. We're the first G20 countries to have eliminated fossil fuel subsidies.
subsidies as per our G20 commitment. And we're also the only large oil and gas producer who has committed to put in place a cap on the emissions of the oil and gas sector. What assurances could you give to environmentalists then? They say that they're worried about this cap on emissions, that it won't go far enough, that there could be exceptions. So what assurances can you give to people who are worried about that these will be a strong cap on emissions? I would remind my ex-colleagues from the environmental movement that they saluted our emission reduction plan that was presented last year by the Prime Minister and myself, which showed how, for the first time in the history of Canada, which mapped how we get to our 2030 targets, and that showed that all sectors have to do their fair share. And that's what we're asking from the oil and gas sector, as we're asking from other industrial sectors in Canada. Minister, is the message here that it is possible, and Canada is an example of a country that can have it both ways, that an oil and gas producer and also reduce emissions to the point where it's ultimately getting to a net zero target? I mean, is that the example that we're trying to set? If you look at the analysis, for example, of the International Energy Agency, and the IPCC, for example, we understand that we are moving into a carbon-constrained world, and that collectively we will reduce our dependencies on fossil fuels. There will be less and less fossil fuels use as we electrify our transportation system, as we electrify our industrial system, as we electrify our grid. We will need less fossil fuels than we need now, and Canada as a responsible country, we need to ensure that this transition, this energy transition, is done in a way that is just and that is fair for workers, which is why my colleagues have introduced in spring in Parliament a sustainable jobs bill to ensure that as we slowly and probably more rapidly as years go by, reduce our dependencies on fossil fuels, that communities that are concerned and workers that are impacted by that are being treated fairly. Donc on peut faire les deux, c'est ça que vous envoyez comme message? Ce que je dis, c'est qu'il y a un consensus assez général. Je pense que certaines compagnies pétrolières le remettent en cause, mais ils sont à peu près les seuls, que nous allons de consommer de moins en moins de pétrole et de gaz au cours des décennies à venir. Nous allons passer de quelque chose à 100 millions de barils de pétrole par jour consommés aujourd'hui à autour de 25 millions en 2050 dans un monde carboneutre. Alors, il va rester du pétrole dans notre portefeuille énergétique, mais ce ne sera pas l'énergie dominante que c'est aujourd'hui. Et il faut préparer cette transition-là. Et ce que je dis, c'est que c'est exactement ce à quoi nous travaillons au Canada par l'ensemble de nos mesures, que ce soit des mesures de type incitatif, les investissements qui ont été faits dans le dernier budget fédéral, par exemple, mais aussi les mesures réglementaires. On pense évidemment le plafond sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz, la lutte aux émissions de méthane, la norme zéro émission pour les véhicules, la norme sur les carburants propres. Donc, au Canada, on utilise l'ensemble des outils disponibles pour s'attaquer au problème de la pollution climatique. The governor of California has called out the oil and gas sector. He says that the climate crisis is a fossil fuel crisis. I realize the politics in California are different than they are in Canada, but why can't the Canadian government go that far in calling out the oil and gas industry? Factually speaking, the climate change problem is the fact that still today about 70% of our global energy portfolio is fossil fuel based. There's no big revelation in that. It's a fact, and I think we all recognize that fact, and we also recognize that we need to reduce our dependencies on fossil fuel, and that's exactly what Canada's doing. We're phasing out coal. We have legislated that we should be out of coal by 2030. Frankly, I think we will get there before. We're regulating that we should reduce, if not almost eliminate, the place of fossil fuels in our grid by 2035. We're doing all these things. But is this the best you can do, just given the politics of this country? Is this the best you can do? Our 2030 targets are aligned with the Paris commitment to keep global average temperatures to 2 degrees Celsius and as close as possible to 1.5 degrees Celsius. The IPCC says that by 2030, countries need to reduce their emissions by 43%. Our target is to reduce them by 40 to 45%. The IPCC says we need to be carbon neutral by 2050. We have legislated that Canada will be carbon neutral by 2050. And as Environment Minister, I have to report back to Parliament on the progress we're doing every 2 years on what we're doing. So I think Canada is doing exactly what science is asking us to do. On the oil and gas draft regulations, I think you said previously that they would be coming into place by October.
or is that still the timeline? Remember, what we will be introducing are draft regulations as per our processes, and there will be a consultation period afterward for the preparation of the final regulations. This usually takes about 12 to 14 months between the introduction of the draft regulations and the final regulations in Canada. But that's still October, right? That's the timeline? The Prime Minister said this year, and we're working very hard to ensure that, if the Prime Minister said it's going to be this year, you can make sure that it's my job to be sure that it's stable this year. Au sujet du sommet sur le pétrole qu'il y a eu en Alberta, je comprends exactement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce genre d'événement-là ne devrait pas se tenir au Canada? Honnêtement, qu'ils se tiennent au Canada ou ailleurs dans le monde, je vous inviterais à aller lire le discours qu'a livré mon collègue et ami, le ministre Wilkinson, qui a rappelé aux représentants du Congrès mondial du pétrole réunis en Alberta que nous sommes dans un monde qui consomme présentement autour de 100 millions de barils de pétrole par jour. Et dans le cadre de la... Il a dit qu'on a deux choix. Dans le cadre de la lutte au changement climatique, si on est sérieux et que l'on veut prévenir des augmentations de température qui dépassent 1,5 degrés Celsius, bien, on va passer d'un monde où on consomme 100 millions de barils de pétrole par jour à un monde qui va en consommer 25 millions de barils de pétrole par jour. C'est ce que mon collègue est allé dire aux représentants. Et il leur a dit que... On ne peut pas, d'une part, dire qu'on va lutter contre les changements climatiques et, d'autre part, ne pas être prêt à poser les gestes nécessaires, comme nous le faisons au Canada, que ce soit pour l'industrie de l'automobile, que ce soit pour les cimenteries, le secteur de l'acier, l'aluminium ou encore celui du pétrole et du gaz. Nous devons prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques. Et c'est le message qui est allé porter le ministre Wilkinson lors du congrès en Alberta. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le Québec a été invité à participer ici au sommet sur l'ambition climatique? Bien, je pense que c'est une belle reconnaissance pour le travail que le Québec fait depuis de très nombreuses années. J'ai moi-même, dans une ancienne vie, participé à élaborer des pans de ce travail-là, le premier plan de lutte au changement climatique, la loi zéro émission. Le Québec est le premier État hors des États-Unis à se doter d'une loi zéro émission pour les véhicules électriques. La Colombie-Britannique a suivi et là, nous le faisons maintenant au fédéral. Donc, je pense que c'est une belle reconnaissance pour le Québec. Diriez-vous que le Québec est un... par rapport, par exemple, aux autres provinces et au l'État fédéral, que le Québec est un chef de file? Écoutez, je ne suis pas ici là, pour juger des uns et des autres. Ce que je peux dire, c'est que ce que la science nous demande, c'est que nous devons toutes et tous en faire plus. Alors, qu'on soit bon, qu'on ne soit pas bon, c'est sûr que si on n'est pas bon, il faut en faire peut-être encore plus que ceux qui sont bons, mais on peut pas. Il n'y a personne sur la planète qui peut dire « moi, j'ai tout bon en matière de lutte au changement climatique, je peux arrêter ce que je fais ». Nous devons toutes et tous en faire plus. Ça inclut le Canada, certainement, et ça inclut l'ensemble des membres de la Fédération canadienne. Last question, dernière question. Ça vous parle, quand vous discutez avec les gens ici, dites quoi à ceux qui vous ont remarqué que vous tenez ce discours-là pendant que, comme mon collègue le soulignait, les grandes industries pétrolières se réunissent dans votre cour arrière? Un drôle de message, mais pas un paradoxe. Sincèrement, depuis que je suis ici, depuis deux jours, ce dont les gens me parlent, que ce soit d'Afrique, que ce soit d'Asie, que ce soit les pays insulaires, que ce soit nos collègues européens, ces gens-là saluent le travail que fait le Canada sur la scène internationale, que ce soit en matière de lutte au changement climatique, que ce soit sur la question de la nature et de la biodiversité. Le rôle que le Canada a joué à la COP15 est salué d'un bout à l'autre du monde. Que ce soit sur les plastiques, par exemple, la pollution plastique, nous allons recevoir l'an prochain, au printemps prochain, les Nations unies à Ottawa, dans le cadre des négociations sur un nouveau traité pour lutter contre la pollution plastique. Le Canada fait partie de la coalition pour la haute ambition, pour la lutte à la pollution plastique. Alors moi, ce que j'entends, c'est des gens qui voient que le Canada, comme l'ensemble des pays, a des défis en matière de lutte au changement climatique. Il n'y a personne qui peut se pointer ici et dire « moi, j'ai tout réglé ça ». Mais je pense qu'on reconnaît au niveau international, et notre ambassadrice en parlait tout à l'heure, tout le travail qui est fait par le Canada pour s'attaquer à ces trois grandes crises planétaires-là. Merci beaucoup. Thank you so much.